qu'il est le bricoleur en chef de... Sorti entraînement ce matin, revue de matériel, bien entendu ça fonctionne pas. Les vélos. Après les vélos, les cyclistes. On n'a même pas mis les chaussures. On verra l'état de ce beau monde tout à l'heure. Alors, ça fait exactement 5 minutes qu'on est parti. On a eu droit déjà à un frein avant cassé. Deux recentrages d'étrier. Tout ça, c'est les grenoblois. La bande au complet. Les rejoins, on va monter Petit Cordeuil. Fin du goudron, début de la piste. J'attends mes coéquipiers, que j'entends. Et il y en a déjà un qui a raté la piste. Ah. J'ai vu. Gérald, c'est un peu trop fait de chemin. J'ai vu. Lancé dans son élan. Ça y est, on l'a récupéré. Je veux pas qu'on gagne. Qui va être sévère. Pour aller là-haut. Jacques en serre-fil. Le peloton est à 1 minute. On est parti au 20e kilomètre. Et le peloton, je pense, à 1 minute, 1 minute 30. Tu peux les attendre. Après mes oreillettes. Qui, il y en a encore derrière. Ouais. Après mes oreillettes. Il y a qui? Il n'y a personne. Il me semblait bien, c'est bien ce que j'ai dit, serre-fil. Dure la montée, hein. Il reste encore deux. On va aller les chercher. Les voilà. Ça monte dur, hein. Pourtant leur visage ça se voit pas. Il met son oreillette. Le directeur sportif m'annonce un peloton à 2 minutes. On essaie de maintenir l'écart. C'est dur, mais on y arrivera. Il faut préciser que le peloton est à 2 minutes devant. Alors Gérald, en plein effort. Parle pas trop, t'auras plus de souffle. 17 km/h. Bon, pas bien pratique sur cette piste. 27. La sensation de vitesse n'est pas, mais le compteur affiche 27 km. Mais les cailloux, oui. Bon, le cadrage laisse un peu à désirer, mais c'est un peu normal. C'est un peu normal, oui. C'est un peu dangereux quand même. J'ai du mal. Tout à gauche. Je pense à 18%. Bon, allez, je pédale.